Vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît. Ma question s'adresse à tous les mères de la Côte-de-Gaspé. A baby just can't do much of anything for himself. J'aurais aimé savoir de quelle façon vous vous y êtes pris pour connaître l'opinion de vos citoyens concernant la résolution que vous avez passée en juillet pour donner votre travail sur le développement des îles. J'ai envoyé ça pour informer les gens que la MRC avait passé une résolution. On a passé une résolution en appui au projet Bourque, avec plusieurs considérants, mais qui démontre notre appui à la poursuite de l'exploration. Moi, je sais ma population, parce que quand je suis à la table des maires, moi, je suis le maire d'une municipalité, et ma population, tout ce que j'entends, on me dit, Madame aussi, ça dépend du développement économique. Ma population, Madame aussi, ça dépend du développement économique. It's much easier to put Junior snowsuit on him than wait for him to do it himself. And before long, Junior sees, too, that it's much easier to let others wait on him. He begins to like being dependent. Alors, vous avez l'impression d'avoir tout entendu quand vous avez entendu les demandes au niveau économique de vos citoyens. Why struggle with your lessons if you can get Dad to help? Les paliers le gouvernement du Québec, qui a force de loi, qui c'est un législateur. Le gouvernement, c'est force de loi, c'est les législateurs. This is an easy way to get by. Et le gouvernement du Québec à donner des permis, c'est parce qu'il trouvait qu'il y avait des permis à donner. Non, mais... Est-ce que c'est une balle qui vous demande? Ben, en tout cas, on n'est pas contre la vertu, là, mais ce qu'on demande, là, c'est ça. I've been working on this problem. Alors, je vais vous lire ça. Donc, ce serait la moindre des choses. Que les élus municipaux et les leaders économiques de la région aient une information claire. Look, why do you bother me with something simple like this? Là, on va la contre-signer avec M. Lelièvre. Même, on va aller plus loin, on va demander une rencontre avec les deux ministères. Ça prend des gens qui connaissent, qui sont compétents, parce que... Il me semble que c'est un bac. That's what can happen. When you don't learn self-reliance. Mr. Carson, are you trying to tell me that I'm not self-reliant? Why, Alan, I didn't say anything about you. Pourquoi vous ne demandez pas quelle est la raison? Pourquoi vous ne demandez pas simplement un bac qui est la formulation habituelle de cette demande de soutien? These are the steps to self-reliance as I see them. Assume responsibility, be informed, know where you're going, make your own decisions. Pourquoi vous ne demandez pas un bac, tout simplement? Un bac présenté? Oui. En phase d'exploration? Oui, pourquoi pas? I'm not sure I understand. Well, let's figure them out together. Sit down. C'est une juridiction provinciale. C'est au niveau provincial. Nous autres, on est entre l'Écosse et l'Arbre. First, assume responsibility. What do you suppose that means? Well... Assume responsibility. Assume responsibility. Do things for yourself. Not a bad idea at that. Vous parlez de permis pour l'exploration. Est-ce que ces permis-là comprennent des permis pour des tests de fracturation? What's the next thing on this card? Là, j'ai pas eu le temps de tout regarder tout ça, j'ai pas demandé de permis. Il y a le permis de complétion de puits, il y a trois, il y a deux permis. Ça fait qu'ils ont eu les permis. Ça a été fait par le ministère. Be informed. C'est quoi la différence entre un permis de fracturation? C'est pas parce que je fais ça tout de suite. Là, vous allez me dire, mais c'est ça. Quand il y a un permis d'exploration, il y a eu un permis de contestation. Alors, expliquez-moi la différence. Ben, en fait, c'était à vous que je voulais poser la question. Mais non, mais moi, c'est parce que tu dois savoir la réponse si tu me poses la question. Mom, you think I look all right this way or should I wear a tie? Parce qu'il doit, c'est quand même, il y a quand même des gens compétents là, qui voient, là, que, en tout cas, ben, on ne veut pas qu'on se touche quelqu'un à un moment donné, nous autres, là. Be informed. What, dear? Oh, no, nothing. Thanks, Mom. I'll figure it out myself. D'abord, le permis que vous avez entre les mains, c'est un permis de complétion. Hein? Deux permis de complétion pour Bourg 1 et Bourg 3. Puis tantôt, en séance de travail, je vous ai présenté un document qui est un extrait de ce que Pétrolia a présenté au gouvernement, qui est son programme de complétion, qu'ils ont dû donner au gouvernement pour avoir leur permis de complétion. Il y a Fabi qui présente ce document-là. Let's see. We'll go to the movies and then to Anne's house for snacks. I might meet Anne's parents. Better wear a tie. Ça a été, le programme de complétion intermis a été déposé par Pétrolia au gouvernement du Québec en août 2015. Ils ont reçu le permis de complétion en vertu du programme de complétion qu'ils ont remis. À la ligne 15 de leur programme de complétion, il est écrit « Pump DFIT as per attached program ». Faire un DFIT, un Diagnostic Fracture Injection Test. Puis ça, si vous allez sur le site de Halliburton, c'est un brevet de la compagnie Halliburton. Yes, it takes a lot of muscle, and it takes a lot of iron, and it takes a lot of thinking, and it takes a lot of trying to keep them rolling. Keep them rolling, keep that big red rolling on. You find the big red house in the town. Halliburton appelle ça aussi pré-frac, mini-frac. Okay? Donc, Pétrolia a un permis pour mener à bien des tests de fracturation. Dans la lettre de M. Lelièvre, M. Lelièvre dit que les élus municipaux se sentent démunis en termes d'information par rapport au projet d'hydrocarbures dans la région. Be informed. That can answer a lot of problems. Est-ce que c'est vous, ça, les élus municipaux, qui sont démunis en termes d'information par rapport au projet d'hydrocarbures dans la région? C'est pas ça que... Nos conseillers, nous autres aussi. Non, mais c'est pas ça. Je souhaite tout de même, messieurs les ministres, porter à votre attention que les élus municipaux et les leaders économiques de la région, notamment de la Côte-de-Gaspé, où sont localisés les projets Bourg et Galles, se sentent très démunis en termes d'information en regard de l'enjeu des hydrocarbures sur le territoire. On assume ça. Là, vous venez prendre position en faveur du projet Bourg. Est-ce que vous l'avez fait en étant démunis au niveau d'informations sur ce projet-là? Est-ce que c'est ça que je dois comprendre de ce que vous dites? Écoutez, quand on a fait la résolution... on a passé une résolution en appui au projet Bourg, avec plusieurs considérants, mais qui démontrent notre appui. Moi, là, c'est toi qui dis ça, là. Hein, c'est vous qui dites ça. C'est vous qui dites ça, OK? C'est vous qui dites ça. Là, c'est pour ça que ce soir, là, nous autres, on va aller voir le ministère de l'Environnement. On le demande à une rencontre. Le ministère des Ressources naturelles. Puis on va poser nos questions. On va se sentir moins démunis parce que là, on nous arrive avec des choses que, bien souvent, que pas grand monde comprenne. Est-ce que tu comprends tout ce qui est marqué? Hein? Je fais de la recherche à temps plein, madame. Ben, en tout cas, moi, j'ai pas le temps de faire la recherche à temps plein. Je travaille, OK? Say, there's something that I've been wanting to ask you. Have you decided on what courses you're going to take next year? En attendant d'avoir l'information, Madame Eliska, est-ce que vous pouvez mettre en suspens votre appui au projet Bourg, puisque vous n'avez pas l'information pour vous prononcer sur ce projet-là? Mais non. Plusieurs élus et intervenants régionaux m'ont transmis leurs inquiétudes et déplorent l'absence d'informations suffisantes pour assumer leur rôle et répondre aux nombreuses questions. Mais non. Parce qu'il est en phase d'exploration, il n'est pas en phase d'exploitation. Puis, on va... Même si des tests de fracturation qui sont prévus dans la phase d'exploration. Non. Il n'y en a pas. Non. Il n'y a pas de test d'affectuation prévu dans cette phase. Ben, parce que c'est bien spécifié. Vous prête à mettre votre position en jeu là-dessus, madame la préfète? Ben, ma position, regarde. Votre position de préfet, vous présentez. Mais écoute, ici, on ne sera pas là-dessus, là. Regardez. Vous jurez qu'il y a moi, là, demain matin, je prends le téléphone. Puis il m'a demandé qu'il certifie. Puis que le gouvernement me certifie qu'il n'y aura pas de test de... Mais je ne mets pas ma position. This is Woody. I mean, Alan Woodruff. I don't know what to take, Dad. Jack's going to take American literature, and Eddie signed up for speech class. But I don't know what I want to take. On a été 50 ans ici, industriels, je vous l'ai dit tout à l'heure. Regardez notre paysage, notre panorama. Hein? Est-ce que ça montre qu'on a été dégradé? Ça ne veut pas dégrader, là. On a eu 50 ans de vie où les gens ont travaillé, des enfants sont allés à l'école. C'est ça, là. C'est qu'à un moment donné, il faut vivre aussi. Quand je regarde encore les paniers avec le linge suspendu, j'ai plus l'impression de voir des cadavres de mines. Je travaillais sous terre, puis les conditions étaient très difficiles parce qu'il y a des gars qui se faisaient tuer. Moi-même, la période, j'ai commencé en 1956, au mois de mai, à peu près, oui. Et puis, en temps d'un an, je crois qu'il y avait eu 7 ou 8 décès d'accidents miniers. Puis j'en ai vu, j'en ai eu connaissance tout près de moi. Quand que tu rentres dans une mine, tu rentres dans un tombeau. C'est qu'à un moment donné, il faut vivre aussi, là. Je ne suis pas compétente en environnement, puis je ne pense pas que les autres non plus. Alors, il va falloir que ce soit des gens qui viennent du gouvernement, puis qui arrivent, puis qui travaillent dans les ministères. Mais il y a juste quelque chose qui me frappe dans ce que vous venez de dire. What will you get out of these courses? What do you want to get out of them? If you know what you want in life, you know where you're going. Moi, je suis née ici, mais je suis revenue, ça fait 4 ans. Okay. Quand on parle de nouveaux arrivants, de jeunes qui viennent travailler en région, comme moi, je suis pas mal convaincue qu'ils ne viennent pas pour des projets d'hydrocarbures. Ben, les gens qui viennent en Gaspésie, puis l'attractivité de la Gaspésie n'est pas liée à cette industrie-là. Je pense qu'il y a moyen de trouver pour la Gaspésie quelque chose de périn, parce qu'on est en train quand même là, de se sortir un jour des hydrocarbures. Puis c'est de passer à l'étape suivante puis d'être visionnaire. Par exemple, les villes européennes ont pris ce virage-là. Ici, pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Parce qu'on va arriver avec la même situation de quelque chose qui va devenir désuet, comme par exemple la mine de cuivre. Je suis très consciente que la Gaspésie a bien vécu pendant tout ce temps-là, mais ce qu'il faut, c'est de miser sur la diversification de l'économie pour que les gens vivent bien, pas juste pendant 50 ans. Demain matin, moi, Mine Gaspé reviendrait, là, ben j'applaudirais. Parce que le temps qu'on a eu Mine Gaspé, on a bien vécu. C'est la première grosse patente industrielle qui se partait dans la région. C'était supposé d'employer 1000 à 1500 personnes. Tu n'avais rien d'autre à dire que de travailler. Si tu voulais parler un petit peu des relations de travail, tu n'avais pas ta place. On avait eu une augmentation de salaire, je pense qu'on avait parti de 80 à 1,10 $ de l'heure. Puis les gens qui venaient de l'extérieur avaient 1,65 $. Et il y avait eu une réunion des principaux notables de Gaspé pour justement contrer ce que tu viens de mentionner. Nous autres, on n'a pas les moyens de payer ces salaires-là. Si vous commencez avec ces salaires-là, vous allez nous écraser. Et nos salaires avaient retombé à 85 cents. Il y avait deux classes de travailleurs. Il y avait ceux qui venaient de l'extérieur, qui étaient bien payés, puis ceux qui travaillaient qui venaient de la région, qui étaient payés à un salaire beaucoup moins. Les gouvernements, par contre, eux autres, par rapport à l'économie, par rapport à l'argent que Noranda investissait, c'était quand même pas prioritaire, le côté humain. OK? La Gaspésie au complet. Ça, là-dessus, là, je ne démordrai pas de ça. Make your own decisions. What in the world are you talking about? Oh, well, I sort of want to develop a little self-reliance. Mr. Carson gave me this. Self-reliance, huh? Well, that's a good thing. Are these from Emerson? Est-ce que d'autres questions? Il me reste que des questions, mais Laissons parler. Alors, M. Côté propose la clé d'assemblée. Je vous souhaite un bon retour. Faites attention aux orignaux. Oh yes, here it is. Self-Reliance by Ralph Waldo Emerson. I learned a lot from this essay when I was your age. But the man is, as it were, clapped into jail by his consciousness. I am ashamed to think how easily we capitulate to badges and names, to large societies and dead institutions. Society is a joint stock company in which the members agree, for the better securing of his bread to each shareholder, to surrender the liberty and culture of the eater. The virtue in most request is conformity. Self-reliance is its aversion. It loves not realities and creators, but names and customs. Whoso would be a man must be a nonconformist. There is a mortifying experience in particular which does not fail to rake itself also in the general history. I mean, the foolish face of praise, the forced smile which we put on in company where we do not feel at ease in answer to conversation which does not interest us. For nonconformity, the world whips you with its displeasure. And therefore a man must know how to estimate a sour face. An aerial shot of the mine. Now you may think that's the end of Alan's story. Actually, it's only the beginning. Un groupe de manifestants, dont certains cagoulés, bloquent l'accès en ce moment à un puits pétrolier de la compagnie Junex à une 20aine de kilomètres de Gaspé. Peu importe où on se trouve, on est soit sur un claim à Junex, un claim à Pétrolia. Ils se sont partagés le monde à 17 par hectare. On a constaté que l'état des pneus n'était pas bon. Je ne sais pas comment il a fait pour voir ça en on a toujours existé dans la pollution. Group of underground miners. A molten pour. Parce que ça se tient à la suite aussi. Tu peux peut-être parler du contexte. Le contexte, ouais, mais... mettre un ticket, puis... Dimanche dernier, j'ai reçu une contravention de 271 $ pour avoir passé des tracts sur la voie publique. Ah, mais c'est difficile. It takes quite a long while to make self-reliance a habit. I watched Alan for several months. On n'a pas de sortir exactement le libellé en tant que tel. Oui, dans l'infraction présente. Donc, on a toujours existé dans ce qui était mauvais, mais on est encore ici. I saw how he assumed responsibility. For example, he took a job on the student forum and worked at it seriously. As I've been hearing, the licensing of Junex to extract oil or gas, not so without our consent. And this is why I'm here. Surface drilling, an underground train. Bank. Cap. I saw how he kept himself informed. He studied hard, he read more than just the assignments, he talked to people and listened to them. Hier, on a eu une manifestation à Gaspé, une belle manifestation, pour plus de 100 personnes dans le Gaspé. On leur a dit hier qu'on était tanné du harcèlement. On l'a nommé pendant la manifestation. Ils ont fait aussi de s'en prendre à moi physiquement hier. Je me suis en allé. I'm here also to say that this is still Mi'kmaq territory. I saw how Alan found where he was going. He came to me sometimes for advice, but he never asked me to decide for him. He thought seriously about his goals, his purposes. It hasn't been ceded or given up by us, and therefore, you know, our consent to have this group here, the camp here, cannot be considered to be criminal. Miners entering the underground portal, preparing for an underground blast. I saw how he learned to make decisions for himself. always on the basis of the best information he could get. Ouais. Plutôt c'est qu'on s'en va. On s'en allait au palais de justice en New Carlyle pour assister au procès de Ristique du Sud-Est. Mes affaires! It's hard work to become self-reliant. De forcer une ville de moins de 200 habitants à se défendre contre une pétrolière pour $1,5 million parce qu'ils ont empêché de forer à côté de leur source d'eau potable, c'est une aberration. Ça dit clairement le rôle où l'État se place. Alan learned to do it, and he's certainly a happier and a better person for it. Je sais que je ne vais jamais saccager les choses quand ce sera que je serai en pleine connaissance de faute. Ah, there is no Lethe for this.